Quand on regarde les images, donc me semble-t-il, il y a un Guadeloupéen. Je me demande si c'est pas si c'est pas lui Sablon. Alors il y a, on va regarder par les numéros, hein, ça sera beaucoup plus facile. Il y a le numéro 7, il y a le numéro 42. En ce qui concerne les hommes, alors il y a Sébastien Péry de l'équipe d'Aubervilliers. Je vous ai dit qu'il y a également le numéro 42, Maurice Buzaret du Vélo Club Guyanais en Baltou, Hôtel Amazonia. Et puis il y a un le numéro 79, un autre coureur, 79. Le 200 Hans Orville du Vélo Club de Sinnamary. Voilà donc les garçons. Il y a encore d'autres coureurs, hein, c'est la tête de course comme vous pouvez le constater. Ces garçons vont très vite, hein, puisqu'on nous a annoncé une moyenne de plus de 48 km/h au cours de la première heure, ce qui est exceptionnel, puisque pour la petite histoire, eh bien, les calculs qui ont été opérés par